Bonjour et bienvenue dans cette conférence. Je suis très 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 heureuse de vous la présenter aujourd'hui. Alors, on va voir aujourd'hui comment devenir la meilleure prothésiste ongulaire. Donc, si vous ne faites pas du tout ce métier pour le moment, mais que ça vous titille un petit peu, eh bien, on va voir tout ça dans cet atelier que je vous offre actuellement. On va commencer tout de suite par la question pourquoi cette conférence? Pourquoi j'avais envie de vous donner cette conférence aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que pour moi, c'était important de pouvoir vous donner accès à ce métier. Si vous avez toujours voulu faire ce métier ou que vous êtes intéressé à ce métier peut-être plus récemment, mais en tout cas, je voudrais vous donner toutes les clés pour pouvoir réussir dans ce domaine. Voilà, donc on débute tout de suite. Quel est le programme? Qu'est-ce qu'on va voir dans cet atelier? Alors, juste avant de voir le programme, surtout si vous avez la possibilité de vous mettre dans un coin tranquille pour écouter cette conférence et de pouvoir éventuellement la regarder d'un ordinateur ou d'une tablette plutôt que d'un téléphone, c'est un peu plus pratique, mais d'un téléphone ça fonctionne très bien également. Voilà, restez juste concentrés, c'est peut-être une conférence qui risque de changer votre vie. Eh bien voilà, si vous pouvez y consacrer 1 heure ou 2 heures, ça changera peut-être tout pour vous. Donc, essayez vraiment d'y consacrer un maximum de temps. Désolée, je parle du nez, je suis malade actuellement, mais ça ne m'empêche pas de vous délivrer le contenu que j'ai envie de vous délivrer aujourd'hui. Donc, le programme en 1, on va voir pourquoi devenir prothésiste ongulaire va changer votre vie, plus la rémunération que vous pouvez en espérer. En 2, on va voir comment choisir la formation la plus adaptée pour vous. Et en 3, comment remplir automatiquement votre agenda sans le faire vous-même. On va continuer également sur comment augmenter vos tarifs là où les autres doivent les baisser et avoir en même temps donc plus de succès. En 5, ma stratégie pour que votre formation vous coûte soit 0 euros ou alors vraiment très peu. Et en 6, comment aller encore plus loin et atteindre les étoiles. Et après le 6, je vous réserve un petit cadeau surprise. Et bien, du coup, restez bien jusqu'à ce moment-là si vous voulez le découvrir. Et je pense que ça, c'est vraiment la pépite qui va changer des vies puisque des personnes ont déjà assisté au type de formation que je propose. Et ce cadeau surprise, j'en ai eu des retours extraordinaires de gens qui m'ont dit qu'elles ont pleuré, qu'elles ont évacué plein de choses. Donc si vous sentez que dans votre vie actuellement, vous avez besoin d'évacuer un petit peu, de changer peut-être d'horizon, que votre vie actuelle ne vous convient plus, eh bien c'est vraiment le moment de travailler sur vous. Des fois, on ne sait pas trop comment travailler sur soi. Ben, des fois, rien qu'une conférence, ça peut déjà changer énormément de choses. Et si ça n'aura rien changé pour vous, eh bien voilà. Vous aurez dépensé, on va dire, 1 ou 2 heures de votre temps, mais au moins je suis persuadée que vous retiendrez des petites pépites de cette conférence. Voilà, donc on passe tout de suite à la suite. J'ai envie de vous poser une question, c'est comment vous sentiriez-vous si d'ici 6 mois vous pourriez avoir l'activité de vos rêves, le revenu idéal et que vous pourriez donc avoir plus confiance en vous? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Vous auriez envie de partir en vacances, de gâter vos proches, de passer plus de temps peut-être avec vos enfants ou de enfin dire adieu à ce patron qui vous rend la vie impossible. Voilà. Donc répondez bien à cette question. Je vais vous laisser 10 secondes pour y réfléchir. Voilà. Essayez de voir quel est pour vous l'impact que ça aurait si vous aviez donc d'ici 6 mois l'activité de vos rêves que vous pourriez pratiquer de chez vous et surtout ben, que vous ayez plus confiance en vous, que vous osiez aller peut-être plus vers les autres ou du moins que vous oseriez choisir les personnes avec qui vous avez envie de travailler. Voilà, donc on va passer à la suite. Donc je vais me présenter. Donc qui suis-je? Je suis Nathalie Krebs. Je suis la fondatrice de Your Nails International. Alors pourquoi j'ai eu envie de fonder Your Nails International? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que dans ce métier, il y avait beaucoup trop de personnes qui étaient négatives, qui se tiraient dans les pattes, parce qu'on a trop tendance à croire que l'autre est un ennemi, quand je parle de concurrente, bien sûr, hein. Moi, j'aime pas le terme de concurrence. Moi, j'aime plutôt le terme de challenge. Voilà, si elle fait quelque chose et que je sens qu'elle est meilleure que moi, eh bien, ça va me pousser à moi-même être encore meilleure. Et c'est de la compétition saine pour moi dans ce sens-là. Et moi, c'est ce que j'ai voulu proposer, c'est de vous amener au plus haut niveau pour que le niveau ben, voilà, de la concurrence n'existe même plus, puisque vous soyez vraiment à un autre niveau. Voilà, donc c'est mon objectif.
objectif personnel et surtout mon objectif c'était de vous créer une formation 100% liberté, donc sans avoir besoin de vous déplacer, de prendre des congés, de quitter vos enfants, voilà, dire à votre patron je fais une formation. Là vous faites vraiment comme vous voulez, vous la suivez à votre rythme, avec le temps qu'il vous faut. De toute façon je vous réexpliquerai tout ça par la suite. Donc mes expériences personnelles, donc c'est que j'ai ouvert mon institut en 2005, donc avant ça j'ai fait un bac scientifique et un BTS esthétique cosmétique, et donc du coup là j'ai le niveau prof. Donc en 2008 j'ai souhaité devenir formatrice, mais j'ai fait des formations d'abord en centre chez moi, et du coup vu que j'étais un peu frustrée par le fait de pouvoir former les élèves que pendant 1 à 2 semaines, parce qu'après ça devient compliqué en termes de logistique et aussi en termes de tarifs pour les élèves, eh bien j'étais frustrée de voir que je ne pouvais pas leur enseigner vraiment tout ce que je savais, tout ce que j'avais appris durant ces années. Et moi-même, à mes débuts, j'étais vraiment très très seule. Malgré que j'avais suivi une formation, en fait, je me suis rendu compte que très très vite, j'étais perdue dans la nature. Et que du coup, ça ne me convenait pas, les formations d'1 ou 2 semaines. C'est pourquoi j'ai voulu, en 2011, créer donc Your Nails International et créer un peu plus tard les formations donc à distance. Au départ je me suis dit, je croyais à cette idée reçue de à distance on ne peut pas réussir, mais en fait si à distance on peut tout à fait réussir, même encore mieux, puisqu'en fait on est accompagné beaucoup plus longtemps et que les problèmes qu'on rencontre en fait durant nos premières semaines, nos premiers mois, nos premières années, en fait quand on a quitté la formation, eh bien on est seul face à ces problèmes. Et on peut se dire, mais je suis la seule à rencontrer ça, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, est-ce que je suis réellement faite pour ce métier? Et là en fait, dans cette formation là que je vous propose, c'est en fait tout l'inverse qui va se passer, puisque vous vous rendez compte que les autres élèves vivent exactement la même chose que vous et qu'en fait c'est tout à fait normal. Et là vous ne perdez pas espoir, vous gardez le courage et vous avez des tas d'autres personnes hyper bienveillantes, puisque je forme que des filles bienveillantes, qui vont vous rassurer sur ça et vous élever, voilà, vous permettre d'accéder à un autre niveau et d'aller toujours plus loin. Donc il n'y a pas seulement moi qui va vous aider, mais également les autres élèves bienveillantes, si bien sûr hein, vous avez envie de faire cette aventure avec moi. Bien sûr, rien ne vous oblige. Donc j'aimerais également vous présenter Jennifer, parce que Jennifer c'est une personne formidable, elle est vraiment adorable, c'est moi au mieux j'ai envie de dire. C'était une élève de la formation, une élève qui est super bienveillante, très gentille, vraiment adorable et qui est très professionnelle également, qui a l'œil de lynx comme moi et qui en fait va vous accompagner durant la formation sur le groupe privé. Donc elle s'occupe uniquement du groupe privé où là vous pourrez poster toutes vos entraînements, toutes vos questions, toutes vos problématiques, et moi je vous accompagne vraiment dans les évaluations pour corriger vraiment au plus près grâce à des vocaux chaque ongle. Vraiment je vais le détailler et c'est ce qui va vous permettre de progresser. En fait on peut se dire, à distance on voit pas bien, la formatrice va pas bien voir ce que je fais, mais au contraire je vois beaucoup mieux, parce que je vous mets au défi, regardez vos ongles actuellement puis faites une photo et regardez la photo. Vous allez bien mieux voir les détails de la pose en photo qu'en vrai. Donc en fait, moi, je vais pouvoir zoomer à fond sur la photo. Je vais avoir un ongle gros comme ça. Je vais voir tous les détails et je vais réussir à savoir ce que vous avez bien fait, ce que vous n'avez pas bien fait. Et là, je vais vous donner des conseils encore personnalisés, donc dans les évaluations. Donc il y a pas mal d'évaluations dans chaque formation. Donc voilà, c'est comme ça que je vous accompagne. Et moi personnellement, pourquoi j'avais envie de créer, donc voilà, qui je suis moi si vous ne me connaissez pas personnellement, donc en dehors de Your Nails. J'ai actuellement bientôt 37 ans. Et je suis maman donc de 2 petites filles qui sont adorables, et j'ai voulu travailler donc de chez moi, et j'ai tellement aimé ce métier que j'ai voulu aller beaucoup plus loin. C'est vrai qu'au bout d'un moment, voilà, je me suis dit, il y a des choses importantes dans la vie. L'important c'est pas que soi, c'est également les autres. J'avais ce besoin de transmettre et je l'ai surtout eu à un moment donné quand j'ai eu une grave maladie. À ce moment-là, j'étais un peu, j'étais un peu perdue dans ma vie, je ne savais pas vers quelle direction aller. Peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez également ou que vous avez connu par le passé. Et à ce moment-là, j'ai eu une très très grave maladie à 24 ans. J'ai appris que j'avais une tumeur cérébrale incurable. Et cette maladie m'a
amenée à vouloir former d'autres personnes, puisque j'avais envie en fait de donner de l'espoir aux gens. J'avais envie de transmettre un petit peu ma passion pour ce métier, mais surtout j'avais envie que voilà de moi-même retrouver un but qui me nourrit et de donner un but qui nourrit d'autres personnes. Je pense que c'est important quand soi-même on est passionné de quelque chose, qu'on puisse le transmettre et le transmettre surtout de la bonne manière, c'est-à-dire de la manière bienveillante. Donc en fait, cette maladie de laquelle j'aurais pas dû guérir, en fait, je me suis fait une promesse à moi et à l'univers. Je me suis dit, si je guéris de cette maladie, je ferai de mon mieux pour donner de l'espoir à un maximum de personnes, aider un maximum de femmes à s'en sortir, peu importe leur situation, peu importe où elles habitent dans le monde, je veux vraiment impacter un maximum de femmes et pouvoir transmettre ce message de bienveillance, de gratitude et d'espoir, de confiance en soi et de tout ça. Et c'est vraiment tout ce que je prône à la fois en tant que personne et à la fois en tant qu'entreprise. Et voilà, j'ai envie de vous partager tout ça. Donc voilà qui je suis, je referme donc la parenthèse. Donc ma mission personnellement, donc comme je vous l'ai dit, c'est d'aider un maximum de personnes à vivre une vie merveilleuse, tant sur le plan professionnel que personnel, puisque si je peux vous aider sur le plan personnel, bah, ce sera encore mieux. Et ensemble, changer le monde en devenant des modèles de réussite à tous les niveaux. Donc, je veux vraiment que vous réussissiez, pas que sur le plan de la maternité ou du travail ou de l'épanouissement ou de couple. Je veux vraiment que vous réussissiez à tous les niveaux. Et si vous réussissez à tous les niveaux, j'ai réussi ma mission personnellement. Donc ma promesse, donc c'est de vous aider au quotidien en toute bienveillance à atteindre le plus haut niveau de compétence dans le domaine de l'onglerie et de la beauté en général, puisque je ne fais pas que les ongles, mais également l'extension de cils et le maquillage. Et peut-être un peu plus tard d'autres domaines, mais pour l'instant je m'avance pas trop. Donc ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Donc atelier, partie numéro 1, quelles sont vos valeurs principales et besoins? Je pense que c'est important dans la vie de repartir de la base. C'est-à-dire que bien souvent, on fait un métier, pourquoi? Parce qu'on a besoin de vivre, on a besoin de payer les factures, on se dit on est parti dans cette direction pour faire ses études et forcément bah, on trouve un métier dans ce domaine-là. Et je pense que c'est pas la bonne réflexion qu'on a. On devrait avoir une autre réflexion, on devrait partir de qui nous sommes, nous, pour voir quelle est la chose la plus adaptée pour nous et vers quoi on peut tendre pour être la plus heureuse possible. En fait, on a toutes des capacités différentes et je crois que bien souvent, on ne se rend pas compte de ses propres capacités. C'est-à-dire que moi, cette capacité d'enseigner, c'est quelque chose que j'ai eu depuis toute petite. C'est-à-dire que même à l'école primaire, je me souviens très très bien que même si j'étais pas la meilleure de la classe, hein, pas du tout, au contraire, j'étais même l'une des dernières, mais j'avais une grande capacité à, lorsque j'avais compris la leçon, la retransmettre à d'autres. Plus tard, je me suis rendu compte également que quand je faisais de la danse latine, une fois que la prof était partie, tout le monde venait spontanément, naturellement vers moi pour me dire: Nathalie, est-ce que tu peux me remontrer? J'ai vu que voilà, tu t'en sortais plutôt bien. Et en fait, j'avais cette capacité à retransmettre ce que j'avais appris. Et en fait, je me suis dit, c'est pour moi finalement une seconde nature. Mais c'était tellement une seconde nature que j'ai mis du temps à le comprendre et à réellement l'intégrer, parce que je pensais que tout le monde avait cette compétence. Et je suis persuadée que vous avez des compétences, peut-être des compétences artistiques, peut-être des compétences d'organisation ou d'autres compétences que vous pourriez mettre à profit pour améliorer votre vie et pour créer votre job sur mesure. Alors là, je vous parle de la prothésie ongulaire, mais si mon message peut vous aider dans un autre domaine qui vous correspond mieux, eh bien, encore une fois, j'aurai tout gagné. Puisque, encore une fois, mon objectif, c'est de vous aider principalement. Si après, je peux vous accompagner plus loin, parfait. Si vous n'avez pas besoin de moi, c'est parfait aussi. Tout ce que je veux, c'est vous apporter des pépites aujourd'hui. Donc, quelles sont vos valeurs principales? Alors je vous liste un petit peu les miennes et puis comme ça vous pouvez voir si vous cochez les cases également ou s'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'idée. Ma valeur principale pour moi, c'est la famille. La famille est très importante. J'ai voulu me créer un job où je peux rester à la maison, travailler tout en voyant mes enfants grandir. Par exemple, ma deuxième fille a eu tout juste 2 ans et en fait je ne l'ai pas fait garder un seul jour de sa vie.
Donc en fait, j'étais tout le temps avec elle et je m'arrange pour travailler quand le papa peut s'en occuper. Donc on travaille ensemble, ça c'est plutôt génial. Et donc du coup, voilà, quand lui travaille, moi je m'en occupe et inversement. Et donc il travaille donc avec moi dans Your Nails également. Donc c'est Florian. Donc ensuite, la liberté de temps. Pour moi, la liberté de temps, c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir. On peut croire que la richesse, c'est l'argent. Non. La richesse, bah déjà c'est la santé, hein, bien sûr, mais c'est aussi le temps. Parce que pour moi, avoir un travail salarié, surtout quand on n'aime pas le faire, quand il ne nous nourrit pas, pour moi, c'est une prison. On nous vole la denrée la plus importante qu'on ait dans la vie, c'est-à-dire le temps. Le temps est limité, on a une date de début, une date de fin. Et si entre, on passe la majorité du temps de sa vie à travailler et à faire quelque chose qui ne nous nourrit pas, qui ne nous élève pas dans la vie, qui nous rabaisse, qui nous fait nous sentir mal au quotidien, eh bien pour moi on a, ça va être dur ce que je vais dire, mais on a loupé notre vie, on nous a volé notre vie. Et moi ce n'est pas ce que je veux pour vous et il est jamais trop tard pour faire quelque chose qui nous élève plus, qui nous permet de nous sentir mieux au quotidien. Donc voilà, moi je veux vraiment vraiment vous aider dans cette direction. Donc l'indépendance financière, ça aussi, en tant que femme, de dépendre d'un homme, moi c'est quelque chose que je n'ai jamais voulu. Il y a des femmes qui, pour elles, ce n'est pas un problème. Moi, c'est une valeur profonde pour moi. C'est de me dire, je peux subvenir à mes besoins personnellement, aux besoins de mes enfants et si besoin, même aux besoins de mon conjoint, de ma mère, de même son conjoint à lui et plus largement, voilà, toute une communauté. Donc moi, c'était mon objectif personnel, c'était avoir assez d'argent pour ne pas me poser la question, est-ce que je peux aller faire les courses et nourrir ma famille? Est-ce que je peux faire le plein d'essence? Est-ce que je peux aller en vacances si je le souhaite? Je ne voulais pas me poser cette question. La contribution, pour moi, c'est important de contribuer. Quand on reçoit des gens et de l'univers, eh bien pour moi c'est important de redonner. Donc c'est une valeur forte. Le lien social également. Voilà, avec ce métier, on peut avoir un lien social. Donc c'était très important pour moi aussi. La beauté, c'est une valeur. Alors bien souvent, on peut se dire, c'est un peu étrange de dire ça, mais la beauté est réellement une valeur importante. Dans la vie, en fait. Prenez par exemple, j'ai pensé à ça juste avant, un petit chat sur le bord de la route, un tout petit chat tout mignon, il est là, il marche à peine, il miaule, il risque de se faire écraser par une voiture. Et vous voyez de l'autre côté de la route une grosse araignée, vraiment pas très belle, toute poilue et tout. De quel côté vous allez vous arrêter pour sauver l'animal? Je pense pas du côté de l'araignée, mais plutôt du côté du petit chat. Pourtant, c'est deux êtres vivants, deux êtres qui ont peut-être envie de vivre de la même manière et tout. Qui ont peut-être la même conscience, on ne sait pas. Et pourtant, on va aller vers le petit chat. On a cette notion, enfin, la plupart d'entre nous, je pense. Moi, vous êtes une passionnée des araignées et que vous détestez les petits chats. Moi, j'adore les petits chats, personnellement, et pas trop les araignées. D'ailleurs, j'ai une énorme araignée dans cette pièce et j'espère qu'elle ne va pas me grimper dessus à un moment donné. Petite parenthèse. Donc, du coup, on va plutôt s'arrêter vers le petit chat. Pourquoi? Parce on le trouve beaucoup plus beau. Et en fait, même dans la vie, en général, les gens, ça a été prouvé, hein, il y a eu des études scientifiques, la beauté aide un petit peu, hein, à CV identique. On va en général choisir la personne qui est présente mieux. Malheureusement, c'est la réalité, de notre condition humaine. La créativité également, c'est une notion forte chez moi qui est développée donc dans ce métier. La notoriété, donc c'était important pour moi de pouvoir être un minimum connu et reconnu pour pouvoir justement transmettre mon message. L'épanouissement personnel, pour moi, c'était important d'être voilà, bien dans mon corps, dans mon esprit, de me sentir bien personnellement. Donc ce métier m'apporte ça, la reconnaissance et donc le libre arbitre. J'avais envie de décider de ma vie entièrement, sans que quelqu'un puisse décider à ma place. Donc voilà, là je vous présente mes deux petites filles qui sont adorables. Donc Mila sur la gauche et Anastasia. Donc là elle était un peu plus jeune sur cette photo, mais elle vient d'avoir 2 ans. Donc voilà. Quels sont les avantages à devenir styliste ongulaire? Donc comme je vous ai dit, hein, ma valeur principale c'est la famille. Donc c'est pour ça que je vous ai mis mes deux petites filles. Donc c'est devenir son propre patron. Ça va être pratiquer un métier créatif et ludique. Travailler de chez soi. Frais d'essence forcément réduits. Donc
Voilà, quand si vous gagnez plus, ben voilà, vous enlevez aussi vos frais d'essence, donc ben vous pouvez gagner un peu moins et finalement avoir le même niveau de vie. Gérer son planning comme on le souhaite, s'occuper de ses enfants, les voir grandir, profiter de la vie, être libre et épanoui, ne plus jamais avoir l'impression de travailler, désolé pour la faute de frappe, faire de belles rencontres, égayer la vie de vos clientes, devenir la personne à connaître, créer un cocon à votre image. Moi aussi, ça, c'était quelque chose, j'ai pris trop de plaisir à créer mon petit cocon, mon petit lieu où j'allais justement accueillir mes clientes. Bref, la liberté de vivre selon vos propres règles et choix. Voilà, donc là j'ai mis une petite comparaison des avantages, des inconvénients du métier de prothésiste ongulaire. Comme ça va vous permettre de savoir si le métier est plutôt fait pour vous ou plutôt pas. Donc avantage, c'est accessible sans diplôme. Oui, on n'a pas besoin de diplôme actuellement, même pas le CAP. Travailler de chez soi, la vie de famille forcément, hein, les horaires choisis et flexibles, c'est vous qui décidez de votre programme. Donc si un mercredi vous avez envie d'aller à la piscine avec vos enfants, eh ben, vous pouvez le faire. Les congés, les vacances, la rémunération à la hauteur de son travail et le contact avec la clientèle. Là, je sens que ma bronchite me titille de plus en plus. Désolée. Donc, inconvénient devoir créer son entreprise et la clientèle, mais c'est quelque chose qui peut être également très passionnant à faire. Donc, il n'y a pas de collègues, mais des clientes. Ça peut être un avantage comme un inconvénient, puisque si vos collègues sont pas top top, eh bien, vaut mieux voir la cliente pendant 2 heures que la collègue pendant 8 heures de suite. Il n'y a pas de travail. Donc oui, alors l'inconvénient, c'est pas de travail, pas de rémunération. Ça, c'est vrai que c'est un souci, mais on va dire c'est ce qui permet d'avoir de la flexibilité dans sa vie. Donc ça veut dire qu'on peut très bien voilà, faire des choses qui n'étaient pas prévues à la base et réorganiser son planning comme on le souhaite. Aimer la pratique manuelle, donc oui, si vous n'êtes pas du tout manuel, que vous détestez ça, bah forcément ce métier ne sera pas pour vous. Et demande de se former et de sortir de sa zone de confort. Ça, oui, il faut se former, c'est important puisque ce métier, c'est un métier à part entière. Il y a des choses à connaître, sinon ça peut être dangereux. Et donc, du coup, il faudra peut-être sortir un petit peu de votre zone de confort et revenir à des cours. Mais vraiment, j'ai voulu que les cours soient ludiques, simples, accessibles et vraiment, vous pouvez avancer dans ces cours à votre rythme. Donc, forcément, eh bien, ce sera beaucoup plus simple pour vous, plutôt que de retourner à l'école. Et ben, vous pourrez faire face à la peur de votre entourage qui va vous dire, mais est-ce que tu es sûre? Là, tu as un vrai travail, ça, c'est peut-être pas un vrai travail, est-ce que tu vas y arriver? Tout ça, il va falloir gérer ces peurs. Mais si vous êtes vraiment sûr de votre... Voilà, de vos objectifs et de votre projet, eh bien, il n'y aura pas de souci. Vous serez droit dans vos bottes et vous direz, non, j'ai décidé de changer de vie et je vais te prouver que j'ai vraiment pris la bonne décision. Voilà, donc, un autre point qui va vous intéresser, je pense, c'est quel revenu peut-on percevoir? Eh bien, si vous ne vous formez pas du tout, que vous utilisez des mauvais produits, eh bien, vous pourrez espérer quelques dizaines d'euros par-ci, par-là. Mais les premières clientes que vous allez avoir, eh bien, ne vont pas vous recommander, puisque avec des mauvais produits et sans formation, les ongles ne seront pas très jolis. Et forcément, eh bien, vous allez faire sans doute des dégâts. Vous allez aller peut-être trop loin dans les ongles, vous allez peut-être même travailler sur des ongles sur lesquels on ne peut pas travailler, puisqu'on ne peut pas travailler sur tous les ongles. Ça, je vous l'expliquerai en long, en large et en travers dans la formation. Et donc, comment éviter aussi les gros soucis hein, d'infection, de choses comme ça. Donc, je vous explique tout ça. Et donc, du coup, là, vous ne pourrez pas espérer grand monde puisque le parrainage ne se fera pas, forcément. Mais par contre, si vous travaillez correctement, alors dans les premiers temps, bien sûr, hein, il y a tout le monde qui fait des erreurs, c'est normal, ça fait partie du processus. Mais au bout de quelques semaines, quelques mois, vous allez faire des très belles pauses, des pauses qui tiennent. Et donc, du coup, on aura tout un système de fidélisation dans la cliente que je vais vous expliquer dans la formation. Donc, ça va vous permettre de gagner. Alors, j'ai mis une fourchette assez large de 500 à 3000 euros. Pourquoi? Parce que peut-être que vous ne voudrez travailler qu'en mi-temps. Et donc, du coup, prendre juste une cliente par jour. Donc là, vous pourrez espérer peut-être gagner dans les 500 euros. Par contre, vous pourrez très bien vous dire, non, non, moi, je veux travailler tous les jours, prendre 5-6 clientes par jour. Et là, vous pourrez largement espérer les 3000 euros.
Donc voilà, alors vous pouvez poser peut-être la question, c'est en chiffre d'affaires, mais dans un premier temps, lorsque vous ouvrez votre micro-entreprise, vous bénéficiez de l'ACRE. Ça pareil, hein, je vous expliquerai tout en détail, sinon ce serait trop long dans cette conférence, qui vous permettra de ne quasiment pas payer de charges dans les premières années. Donc vraiment, votre chiffre d'affaires sera quasiment votre revenu. Il faudra enlever quelques euros par pause, mais ça aussi, je reviendrai dessus plus tard. Donc là, je vous mets un petit témoignage de mes élèves qui va vous permettre voilà, elles vont vous dire elles-mêmes combien elles gagnent, tout simplement. Très fort dès le début. Les chiffres n'ont fait qu'augmenter. Les objectifs que j'ai atteints là aujourd'hui, c'est des objectifs que je me suis fixés au bout d'un an. Donc je les ai atteints au bout de 2 mois. Ah oui, eh ben. Donc, ça a été. Enfin, et là, c'est en train de prendre une ampleur. Enfin, ça fait plaisir de voir que le travail est reconnu. Aujourd'hui, c'est une activité où tu peux en vivre, tu arrives à te dégager un salaire? Oui, largement. Pourtant, mes prix ne sont pas exorbitants parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à Marseille. Bon, Marseille, ça n'avait pas la réputation d'être des personnes qui. Voilà, je ne touchais pas forcément les bonnes personnes, peut-être moi aussi, parce que j'étais au début de ma formation. Donc, c'est vrai que mes postes n'étaient pas aussi belles qu'aujourd'hui. Et maintenant que j'ai déménagé, j'ai augmenté mes prix. Mais bon, je suis à 35 euros la pause. Je ne suis pas non plus à 50, 60 euros. Et j'arrive, oui, à très bien gagner ma vie. Enfin, quand on déduit tout ce que j'ai à déduire, les impôts, enfin, l'assurance maladie, tout ça, je m'en sors quand même à presque 2000 euros. Donc, je veux dire, on vit bien avec 2000 euros en travaillant à la maison, en n'ayant pas de charge, on n'utilise pas la voiture, on n'utilise Ouais, pas machin. c'est ça. Donc, je pense que, voilà, après avoir tout payé, j'arrive à me dégager 2000 euros de salaire. Donc, franchement, oui, je vis bien. Je ne suis plus factrice du tout et j'arrive donc à avoir un bon salaire uniquement avec les ongles qui est quand même de 2000 euros net tous les mois. Après, c'est évolutif. Il y a des mois, bah, comme par exemple à Noël, où on va vraiment bouffer, bouffer, bouffer des heures. Là, on peut aller jusqu'à 4000 euros. C'est vraiment un domaine où si vous êtes motivé et que vous travaillez énormément, vous pouvez gagner, on va dire, de l'argent très facilement. Une pause donc, c'est 50 euros. Si vous en faites juste 5 dans la journée, vous voyez, votre journée est vite remplie et votre porte-monnaie aussi. Voilà. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment foncer. Voilà, donc comme vous l'avez vu, hein, les élèves vous ont parlé. Alors là, voilà, j'ai que pris l'exemple de trois élèves, mais j'en ai formé plus de 1000 des élèves. Donc forcément, il pourrait y avoir plein des tonnes de témoignages comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, hein, mes témoignages, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, comment choisir la formation la plus adaptée pour vous? Eh bien, on va la choisir par rapport déjà à votre niveau. C'est important de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas commencer par le niveau 2 si vous n'avez même pas les bases ou si vous avez peut-être commencé à faire juste une petite formation d'une semaine et que vous sentez que les bases sont pas bien, voilà, sont pas bien acquises. Eh bien, on repassera par la formation si singulière niveau 1. Pour moi, c'est important que tout soit maîtrisé. Donc, si par exemple vous avez déjà un peu travaillé, mais que les bombés ne sont pas maîtrisés, les parallèles, que vous n'arrivez pas à faire un ongle relativement long sans qu'il casse, que vos bombés ne sont pas parfaits, que vous ne savez pas faire des baby boomers, des choses comme ça, ou des French, ou de la pose sur pied, ou que vous ne savez pas rallonger des ongles rongés, eh bien, ce sera important de revenir dans cette formation styliste ongulaire niveau 1. C'est vraiment la plus complète que je propose, et vraiment, voilà, ce sera très très important de faire les choses dans l'ordre. Ensuite, vos objectifs. C'est-à-dire que si vous voulez faire des poses relativement classiques, telles que ce que j'ai sur moi, c'est-à-dire relativement court, baby boomer, voilà des choses assez simples, eh bien le niveau 1 peut vous convenir. Si maintenant vous voulez aller dans le nail art, dans les ongles XXL, dans les
dans des techniques rapides, eh bien là, il faudra peut-être prendre un pack de formation plus important. Et dans ce cas-là, ce sera plus intéressant pour vous de le prendre directement, puisque les formations qui suivent donc dans le pack vont être proposées à un tarif réduit. Donc chaque formation sera réduite. Donc ça, c'est important de savoir quel est votre objectif à la base. Est-ce que c'est juste de faire les ongles en faisant des choses? Alors, je ne dis pas, on peut déjà aller très très loin avec la formation niveau 1, mais si vous voulez vraiment faire des techniques plus pointues, vous spécialiser, eh bien, il faudra peut-être prendre un pack plus important. À savoir que vous pouvez prendre un pack de plusieurs formations et choisir par la suite quelle formation vous voulez y intégrer. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sûr tout de suite, eh bien, entre le nail art, les techniques rapides, les choses comme ça, eh bien, ou même l'extension de cils, hein, vous prenez un pack, vous pouvez ensuite venir placer la formation qui vous intéresse à l'intérieur. Vos contraintes, c'est-à-dire que, suivant les contraintes que vous avez, vous allez choisir plutôt une formation en centre, plutôt une formation à distance, plutôt une formation longue, plutôt une formation courte. Voilà, c'est à vous de décider. Ça, je ne pourrais pas décider pour vous. Je peux juste vous garantir que moi, j'ai fait des formations en présentiel, en distanciel, ça n'a rien à voir. Et même moi, je me suis formée personnellement à mes départs en présentiel et actuellement, je ne me forme que à distance puisque j'ai vraiment compris que c'était comme ça qu'on arrivait réellement à apprendre dans ce métier. Pourquoi? Parce qu'on peut revoir et revoir et revoir les cours à l'infini. En plus de ça, vous avez un accès illimité à mes formations et à toutes les mises à jour que je fais. C'est-à-dire que même dans 10 ans, quand vous reviendrez sur la formation, bah, il y aura des nouveaux cours, il y aura des nouvelles choses et ce sera toujours mis à jour. Pourquoi? Parce que, encore une fois, pour moi, c'est important que si vous me faites confiance, eh bien, moi, je vous emmène le plus loin possible et je vous donne le maximum. Voilà, je ferme la parenthèse. Votre personnalité également, puisque, voilà, si vous, vous aimez les choses très, très simples, vous n'allez peut-être pas avoir envie de faire des choses très compliquées. Et au contraire, si vous êtes une personne très excentrique qui aime vraiment les ongles super longs, stiletto et tout, ou amande russe, eh bien, peut-être que la base, ça va vous frustrer complètement. Donc, il faut vraiment adapter par rapport à qui vous êtes. Et puis bien sûr votre budget. Le budget c'est important, mais je dirais que c'est pas le plus important puisqu'il y a des solutions qui vont nous permettre de financer les formations, les packs de formation. Il faut déjà savoir qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de faire dans ce domaine ou de manière plus générale. Voilà, donc là je vais vous montrer quelques petites des petits nail art de mes élèves. Alors, c'est des nail art qui ont été faits déjà il y a un certain temps. J'ai pas eu le courage de refaire un petit montage avec les nouvelles. Donc, c'est vraiment des anciennes poses qui datent un petit peu. Actuellement, c'est vrai que les élèves font des choses tout aussi magnifiques, voire encore mieux. Donc, voilà, si vous aimez ça, eh bien, vous adorerez les nouvelles poses. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur mon Instagram. Je poste régulièrement des poses de mes élèves. Donc là, c'est quelques poses, hein. Je ne les ai pas forcément triées ou mis dans l'ordre. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de toutes les formations aussi. Il y a du nail art, il y a des ongles plus longs, des ongles plus courts. Voilà, il y a un peu pour tous les goûts. Alors, on fait aussi du nail art en 3D, des choses pour Noël. Alors là, au moment où je vous tourne cette conférence, il fait à peu près, je crois, 35 degrés là. Je suis en train de mourir de chaud. Mais voilà. C'est pas grave, je fais ça pour vous. J'en avais vraiment envie de vous tourner cette conférence parce que ça fait des mois que j'essaye de me motiver à le faire et à chaque fois, j'y arrivais pas. Là, j'avais très, très, très envie de vous tourner cette conférence. Voilà, là, on arrive bientôt au bout des ongles. Donc, vous voyez, hein, même malade, pas d'excuses. Voilà, on va s'arrêter là peut-être parce que c'est un petit peu long et qu'on a encore pas mal de choses à voir ensemble. Donc j'espère que vous êtes motivés pour la suite puisque voilà, on va voir encore pas mal de points qui vont vous aider, je pense. Donc là, on a à peu près la moitié. Je vais vous épargner le reste et on va passer à la suite. Donc comment remplir automatiquement votre agenda sans même le faire vous-même? Alors là, je pense que ça va vous intéresser. Alors, en fait, c'est très simple.
Donc, avoir des clientes, c'est forcément le nerf de la guerre. Je pense qu'on est totalement d'accord avec ça, puisque pas de cliente égale pas de revenus. Donc, c'est comme l'essence qu'on va mettre dans la voiture pour la faire avancer. Donc, répondre au téléphone, ça va vous prendre énormément de temps. Et surtout, lorsque vous êtes dans une pause, vous n'avez peut-être pas forcément envie, hein, alors que vous êtes en train de tracer la French de votre vie, elle est super droite, elle est nickel. Et là, le téléphone qui sonne, vous risquez de louper un appel. Vous n'avez pas envie de ça. Donc moi, ce que je vous propose, ce que je vous offre en plus, en fait, dans la formation, c'est toute une formation en plus de création d'entreprise, développement de clientèle, qui est normalement à 1000 euros, mais là que je vous offre avec donc la formation que vous choisirez ou le pack de formation. Alors, pareil, hein, c'est une offre qui ne va pas rester. Donc, si vous êtes motivé, vraiment, il va falloir, juste après cette conférence, vous inscrire, ou du moins assez rapidement, parce qu'en plus, les places sont limitées. Mais bref, petite parenthèse. Et donc, du coup, où je vous explique pas à pas comment créer votre site internet et surtout comment vous allez pouvoir mettre en place grâce à un logiciel que, voilà, je vous expliquerai tout, comment fonctionne le logiciel et tout. Vous allez avoir un agenda en ligne sur votre site internet professionnel à votre image. Je vais vous donner des cours également de colorimétrie, enfin ça ce sera mon conjoint, pour vous expliquer comment vraiment adapter et bien vraiment tout votre visuel par rapport à qui vous êtes. Donc on va voir également comment créer un logo, comment créer de la publicité. On va voir vraiment plein plein de choses, hein. Publicité gratuite, publicité payante si vous en avez besoin. On va cibler vraiment sur ce qui fonctionne pour avoir des clientes. Et donc, du coup, bah, vous aurez votre agenda en ligne. Les clientes sauront qu'elles vont dans votre agenda directement et elles prennent rendez-vous en ligne. Vous avez même la possibilité ensuite de paramétrer des mails automatiques ou des messages automatiques qui vont rappeler le rendez-vous. Ça fait baisser également le nombre de personnes qui ne viennent pas chez vous parce qu'elles oublient le rendez-vous. Donc là, en fait, vraiment, tout est automatisé. Vous gagnez du temps. C'est hyper cool pour les clientes parce qu'en fait, elles peuvent prendre rendez-vous à n'importe quelle heure si elles y pensent, à 23h30 le soir, et que toute la journée, elles n'y ont pas pensé parce qu'elles avaient un travail, elles avaient des choses à faire. Ben là, à 23h30, elles peuvent aller sur votre site et prendre le rendez-vous en ligne. Donc, c'est vraiment la solution ultime pour avoir eh bien, des clientes qui choisissent leur créneau. En plus de ça, vous choisissez vous les créneaux qui vous intéressent, vous bloquez les jours où vous n'avez pas envie de travailler et comme ça, vous voyez votre agenda se remplir. Vous y accédez super facilement depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et donc, du coup, vous savez tout le temps quand est-ce que vous avez des rendez-vous, avec qui, avec leur numéro de téléphone, avec toutes les informations. Là, vous ne loupez plus rien. Parce que si vous êtes comme moi, tête en l'air, que vous croisez une cliente au supermarché qui vous dit, je peux venir le 28 à 15h, oui, bien sûr, mais que quand vous rentrez, vous oubliez, et puis que le jour d'après, il y a quelqu'un qui vous dit, je peux venir le 28 à 15h, oui, bien sûr, j'ai pas de rendez-vous, et qu'il y a deux clientes qui se pointent à la porte en même temps, et que là, vous faites, oh non, pas de nouveau. Combien de fois ça m'est arrivé, parce que je suis une personne beaucoup trop tête en l'air, et que j'avais rien pour noter à ce moment-là, et que j'oublie en rentrant parce que j'ai plein de choses à penser, comme n'importe qui, eh bien ça ne vous arrivera jamais. Parce que je peux vous dire que c'est une situation extrêmement désagréable et que ça m'est arrivé beaucoup trop souvent. Voilà. On referme encore une fois la parenthèse. Donc voilà, là je vais vous montrer voilà, juste voilà, ce qu'en pensent mes élèves quand même, hein, de la formation. Donc là, je suis notée 5 sur 5 sur 76 avis au moment où j'ai tourné donc cette vidéo. Il y en a quelques-uns en plus actuellement. Donc allez voir, parce que moi je pense, hein, que le plus important, c'est de lire les avis des gens. Parce que vous pouvez choisir n'importe quelle formation, mais si vous voyez qu'il y a des avis négatifs, en général, ce n'est pas pour rien. Les avis positifs, eh bien, sont encore plus difficiles à avoir que les avis négatifs. Puisqu'en général, quand on est mécontent de quelque chose, on aura plus souvent tendance à avoir l'énergie d'aller mettre un commentaire négatif plutôt que quand on est content. Donc en fait, moi je remercie énormément les filles qui ont pris le temps de me faire des témoignages écrits, des témoignages également en vidéo parce que ben, c'est pas facile déjà et ça prend du temps. Donc merci infiniment. Vous pourrez aller voir donc tous ces commentaires. Et vous pourrez les lire, voir si ça correspond peut-être
bah, votre situation, puisqu'il y a des personnes qui étaient totalement contre les formations à distance, qui étaient persuadées que seulement on pouvait réussir avec une personne à côté de soi, et au final vont témoigner là que bah, elles se sont rendues compte qu'elles avaient fait une formation en centre, que c'était qu'elles n'ont pas appris grand-chose, qu'elles ont vite tout perdu, et que grâce à moi, en fait, eh bien, je leur ai appris énormément de choses et qu'elles ont réussi dans ce domaine. Donc voilà, allez voir ça voilà, de vous-même. Vous voyez qu'il y en a tout plein. Je suis notée quasiment 5 sur 5 chez tout le monde. Il y a, je crois, 2-3 personnes qui m'ont noté 4 sur 5, mais avec un super commentaire. Donc voilà, et je pense que effectivement, on peut toujours s'améliorer. Donc voilà. Donc au niveau de Facebook, c'est la même chose. Hein. Voilà, vous pourrez aller voir. Donc vous cliquez sur. Enfin, vous tapez dans Google Facebook. Your Nails Avis, tout simplement. Hein. Vous arrivez sur ma page Your Nails International sur Facebook, vous allez dans Avis, et là vous voyez que sur 57 avis, je suis notée 4,9. Donc encore une fois, je vous laisserai tout lire. Je crois qu'absolument tout le monde me recommande, donc voilà. Je n'ai pas d'avis négatif, tout simplement, parce que moi je ne travaille qu'avec les personnes qui ont envie de travailler avec moi, qui sont motivées et qui sont bienveillantes. Une personne bienveillante, je lui dis merci de ta participation à ce début de formation, mais je crois qu'on ne se correspond pas, que cette formation n'est pas faite pour toi, et je préfère carrément rembourser ces personnes et ne pas travailler avec. Et même quand après elles me disent « oui mais Nathalie, en fait j'ai réfléchi », non. Désolée, tu as eu une chance. Moi, je veux vraiment sélectionner que la crème de la crème de la crème des personnes bienveillantes. Si ça n'a pas été une fois le cas, ça se peut que par la suite ce ne soit pas le cas. Donc voilà, je préfère qu'on en arrête là, qu'on arrête là tout de suite. Pour moi, c'est vraiment important de faire comme ça. Et ce sera important pour vous aussi de choisir vos clientes. Vous n'aurez que des clientes géniales avec qui vous avez envie de travailler. Parce que j'ai créé une méthode où ça va être le cas si vous suivez ce que je vous dis. Mais encore une fois, il faudra suivre pas à pas ce que je vous dis pour pouvoir réussir. Il ne faudra pas essayer de faire du freestyle, de partir de côté et de se dire « Ah non, moi, je vais pas refuser une cliente. » En fait, refuser une cliente, c'est positif. Pourquoi? Parce que cette cliente-là, si elle ne correspond pas à vos attentes, eh bien, elle va vous recommander à d'autres personnes qui, en général, sont comme elle. C'est-à-dire qui, souvent, veulent tout pour rien, vont être très critiques, très négatifs, qui vont vous faire baisser votre estime de vous-même. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il vaut mieux refuser une cliente, mais par la suite, en accepter d'autres, des bienveillantes, même s'il faut un peu plus de temps pour les trouver, que d'accepter tout le monde et de se dire mais en fait qu'est-ce que je fais là, j'ai quitté un boulot stressant pour un autre qui ne m'apporte rien, je me fais critiquer, tout ça. Non, on ne veut pas de ces personnes qui souvent c'est une allez, on va dire la loi de Pareto, 80-20, c'est 80% des personnes chez qui ça va bien se passer, mais les 20% qui ne sont pas bonnes, ben, va vous plomber 80% de votre journée ou 80% de votre année ou quoi que ce soit. Va vous plomber 80% de votre énergie surtout. Donc surtout sélectionnez les clientes avec qui vous travaillez. Maintenant, on va voir comment avoir 5 à 10 ans d'avance sur toutes vos concurrentes. Et encore concurrentes, je mets entre guillemets, puisque pour moi, il n'y aura pas de concurrence, ce sera un océan bleu. Je ne sais pas si vous connaissez voilà, l'océan rouge, l'océan bleu. L'océan rouge, c'est tous les requins qui essayent de se manger entre eux. Donc, c'est la concurrence. Et l'océan bleu, bah, c'est le petit poisson qui est tranquille et qui vogue là. Il n'y a aucun requin qui peut éventuellement venir le manger. Nous, ce qu'on veut, c'est être le petit poisson dans l'océan bleu. On ne veut pas de concurrence. On veut être au-dessus de tout ça. Voilà. Ceux qui sont en bas se mangent entre eux. Nous, on est là et on va faire quelque chose de différent. C'est important d'être différente. Donc, comment avoir 5 à 10 en avance sur toutes vos concurrentes? Eh bien, je vais vous donner un exemple. C'est que c'est le chablon contre la capsule. En 2007, par exemple, voilà, dans mes débuts, j'ai très très vite compris l'avantage du chablon par rapport à la capsule. Il était plus flexible, se cassait moins, on avait moins cette démarcation, ça faisait beaucoup plus naturel et c'était beaucoup plus adaptable, on va dire. On pouvait vraiment faire du sur-mesure par rapport aux ongles.
Mais il a fallu très 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 longtemps pour que le chablon domine la capsule. Moi, je l'ai fait tout de suite et je me suis différenciée des autres à ce moment-là. C'est-à-dire que tout le monde proposait de la capsule. Moi, on venait chez moi, on me disait, je veux une pause capsule. Je dis, désolée, je ne fais pas de capsule. Ah bon, vous ne faites pas de capsule, mais moi, je veux rallonger mes ongles. Ben oui, mais moi, je propose une autre technique qui est encore confidentielle. Mais par contre, c'est une technique qui va 100% s'adapter à vos ongles, qui va être plus flexible et tout. Je donnais tous les avantages. Et là, la personne me disait, ah mais oui, je veux ça, je veux ça. Et quand elle revenait chez moi un mois plus tard et qu'elle me disait, waouh, j'ai jamais eu une tenue comme ça avec des capsules. Tout le monde croyait que c'était mes ongles naturels. C'était vraiment magnifique. Je veux absolument ça. Eh bien là, on est dans l'océan bleu. Et moi, je suis quelqu'un qui a tendance à sentir comme ça les tendances avant qu'elles ne s'installent et que ça devienne la norme. Aujourd'hui, le chablon, c'est la norme. On entend beaucoup moins parler de capsule. En fait, le chablon, c'était là, la capsule là. Et en fait, il y a eu une inversion. Et en fait, il y a une nouvelle technique qui pour moi est le chablon de demain, qui est vraiment la chose à faire dans l'avenir. Pourquoi? Parce que ça va être un gain de temps, ça va être nettement plus simple. On va pouvoir faire des choses, des poses XXL, vraiment des choses magnifiques. On va gagner du temps, ça je vous l'ai dit, on va être différente, on va pouvoir augmenter nos revenus aussi parce qu'on va pouvoir faire des poses XXL, des poses amande russe, des poses vraiment compliquées en très peu de temps. Et on va même pouvoir, alors ça je suis la seule à le faire parce que j'ai vraiment, dans la formation là dont je vous parle, j'ai en fait créé mes propres techniques. C'est-à-dire que je suis la seule à faire ça au monde. Donc voilà, moi j'aime bien innover, j'aime bien créer des choses. Quand j'étais petite, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais inventrice. Voilà, je voulais inventer des choses. Donc je continue sans cesse encore à créer, à innover, à inventer. Et ce métier me passionne et je trouve qu'il est très créatif et que ça va me permettre justement d'aller travailler sur cette créativité et vous offrir des choses vraiment uniques. Voilà, donc le parrainage également va être facilité parce que vous comprenez bien que si la technique est super rapide, vos ongles magnifiques, que vous allez pouvoir faire des choses vraiment qui sortent totalement de l'ordinaire, des poses vraiment Instagram, forcément vous allez être connu, forcément les gens vont vouloir venir chez vous et seront prêts à payer plus cher. Ça, je vous le garantis, vous aurez vraiment les clientes haut de gamme, les personnes qui sont prêtes à mettre le prix pour avoir des ongles de luxe. Voilà. Donc, ma stratégie pour que votre formation vous coûte soit zéro, soit très peu, eh bien, il y a deux possibilités. La première, c'est l'autofinancement. L'autofinancement, c'est se payer soi-même la formation. Si vous n'avez pas de points CPF, par exemple, ou que vous n'avez pas envie de les utiliser, ou que vous les avez déjà utilisés, eh bien, vous pouvez financer votre formation personnellement. Mais peut-être que eh bien, une somme importante d'un coup, c'est problématique pour vous, ce que je peux tout à fait comprendre. C'est pour ça que j'ai permis donc à mes élèves de payer la formation en plusieurs fois, 3 fois, 6 fois, 12 fois pour la formation de niveau 1 ou si vous prenez juste une formation, et jusqu'à 18 fois, mais ça je ne sais pas si je vais le laisser en place, pour les packs de formation. Ce qui fait qu'en fait, la formation 6 Songulaire niveau 1, alors en plus de ça, hein, encore une petite parenthèse, 6 Songulaire niveau 1, c'est quoi? C'est mon ancienne formation base et perfectionnement avec énormément de vidéos, plus toute la mise à jour qui a été refaite en 2021-2022, que j'ai intégrée dans la formation base et perfectionnement pour créer Styliste Ongulaire niveau 1. C'est la formation la plus complète que j'ai. Elle est vraiment, vraiment, vraiment ultra complète. Vraiment, les élèves qui ont accédé à cette formation m'ont dit, mais Nathalie, c'est incroyable tout ce que tu nous apportes dans cette formation. D'ailleurs, allez voir les témoignages, vous le verrez par vous-même. Donc là, cette formation Styliste Ongulaire niveau 1, donc qui comprend hein, les deux, vous l'avez bien compris, peut être réglée en 12 fois, ce qui vous revient à 166 euros et quelques par mois. Et en 18 fois, si vous prenez en fait une deuxième formation avec, en 18 fois, ça vous revient également à 166 euros par mois. Mais au lieu de 12 fois, ce sera 18 fois. Et là, vous pourrez choisir donc n'importe quelle autre formation. Et donc, du coup, vous pourrez autofinancer aussi grâce à vos modèles. C'est-à-dire que, alors moi je conseille toujours d'ouvrir votre entreprise quand même assez rapidement pour vous motiver un petit peu.
Donc du coup, et puis pour avoir cette légitimité aussi de pouvoir dire voilà, j'ai l'entreprise ouverte, et avec vos premiers modèles, vous allez pouvoir financer la formation. Alors vous n'allez pas forcément demander 35, 50, 80 euros tout de suite, hein, bien sûr, on est d'accord avec ça, mais rien que si on prend une moyenne de 25 euros par exemple, combien est-ce qu'il vous faut de clientes? 25, 50, donc 100, on est bien d'accord, 150, allez, on va dire 200. Là, vous avez avec 5 personnes, 6 personnes, pardon, vous avez 200 euros. 6 personnes, ça fait quoi? Eh bien, dans un mois, on a 4 semaines et demie. Ça veut dire que, bah, il vous faut vraiment pas grand monde, hein. C'est-à-dire moins de 2 clientes par semaine, vous financez votre formation. Et avec toutes les clientes que vous prenez en plus, eh bien, c'est du gain dans votre poche durant la formation. C'est-à-dire, non seulement la formation ne va rien vous coûter, mais en plus de ça, vous allez déjà gagner de l'argent durant la formation. Moi, c'est mon objectif. Et autre possibilité, vous avez des points CPF. Là, la procédure est un tout petit peu, un chouïa plus compliquée, puisqu'il faudra passer par un bloc de compétences du CAP, donc le bloc de compétences numéro 3. Mais actuellement, je vous offre ce bloc de compétences. C'est-à-dire, non seulement vous aurez la formation si vous êtes débutante, hein, styliste ongulaire niveau 1, avec donc les deux formations, vous l'avez compris, hein, base et perfectionnement et la mise à jour ensemble. Vous aurez la formation de création d'entreprise, développement de clientèle qui est ultra complète, vraiment, vous pourrez aller voir le contenu également. On le verra un peu plus loin. J'irai sur la plateforme de formation, je vous montrerai. Et le bloc de compétences numéro 3 du CAP que je vous offre lorsque vous allez dans le financement CPF. C'est une offre que je fais aujourd'hui. Je ne sais pas si, voilà, si vous attendez quelques jours, il se peut très très bien que les prix augmentent puisque, en fait, je rogne sur ma marge à moi. Pour pouvoir vous l'offrir, puisque ce n'est pas moi qui l'ai faite cette formation, mais une collègue à moi, si on va dire, si on peut dire ça comme ça, une autre formatrice qui est vraiment géniale aussi, qui a beaucoup de peps, qui est vraiment en top, qui est très très rigolote aussi, elle est vraiment bien, et qui va vous former pour ce bloc de compétences numéro 3. Et une fois que vous l'avez fait, là il faudra donc bah, on fera la sortie de formation sur le CPF et là vous pourrez accéder à la suite. Mais du coup, dans ce financement CPF, il y aura un délai de 14 jours à respecter entre la date d'inscription et la date de début. Ça, c'est le CPF qui l'impose. Le CPF impose énormément de choses, hein. Moi, malheureusement, je ne peux pas faire beaucoup plus. Et le reste à charge, normalement, sera à payer en une seule fois. Mais si la somme est trop importante, on pourra voir si on peut faire des ajustements pour faire un règlement, peut-être en 3 fois. Voilà, on verra comment on peut s'organiser. Mais voilà, c'est le petit point négatif avec le CPF, c'est que normalement le reste à charge est à payer en une fois, qu'il y a ce délai à attendre et qu'il faut passer le bloc de compétences numéro 3. Alors, vous n'aurez pas besoin, attention, hein, retenez bien, vous n'aurez pas besoin d'aller passer l'épreuve du CAP, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Moi, ce qu'il me faudra comme justificatif, c'est juste que vous êtes inscrite en candidat libre. Ça prend 5 minutes, c'est une petite... voilà, une petite inscription à faire par internet, c'est vraiment pas compliqué. Moi, c'est tout ce que j'ai besoin pour justifier au niveau du CPF, voilà, que vous avez réellement un projet dans ce domaine. Voilà, donc bien sûr, je parle beaucoup trop, mais au moins je vous donne les différentes informations. Donc voilà, comme ça, vous avez compris que vous pourrez autofinancer la formation grâce à vos premiers modèles et qu'en plus de ça, eh bien, vous aurez déjà un gain en plus. Et vous pouvez très bien en plus faire cette formation eh bien, en même temps que votre travail. C'est ça qui est génial, c'est que vous pouvez très bien dire, moi, je fais un mi-temps, je travaille le matin avec mon employeur actuel ou dans mon activité actuelle et l'après-midi, je ne fais que ça. Donc voilà, ça, c'est vraiment bah, top, je trouve, parce qu'on peut vraiment faire les deux en même temps. Donc comment aller encore plus loin et atteindre les étoiles? Alors pour moi, c'est important lorsqu'on a fait vraiment la base dans ce métier et qu'on sent que vraiment c'est une passion d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que se spécialiser, ça va être super important. Développer des compétences, c'est important aussi. Mais en fait, quand on va être spécialisé, c'est comme entre un généraliste et un neurochirurgien. À votre avis, chez qui vous allez quand vous avez une tumeur cérébrale? Encore une fois, je reprends cet exemple-là. C'est certainement pas chez le généraliste. Les personnes qui vont vouloir avoir des très belles poses vont aller chez les personnes qui sont
spécialiser. Donc, c'est bien de vous former, c'est bien de continuer à vous former. Donc, ça, c'est important. Développer plusieurs compétences, ben, vous pouvez peut-être avoir l'envie de, ben, comme je vous ai mis sur la photo, de faire de l'extension de cils, de faire du conseil en maquillage, de faire aussi un peu de relooking, de choses comme ça. Ça va être des compétences annexes, mais qui peuvent développer également votre chiffre d'affaires et qui peuvent faire en sorte que, eh bien, si les ongles, voilà, c'est bien, mais que vous avez envie de faire autre chose, eh ben, que ça vous permette d'avoir différentes activités dans le même domaine finalement. Et la dernière possibilité, ça va être de s'associer avec quelqu'un. Voilà, vous pouvez très bien avoir envie de finalement voilà, peut-être déléguer le travail que vous avez moins envie de faire, vous concentrer peut-être sur les poses plus particulières, et donc du coup, ben, vous pouvez également développer votre chiffre d'affaires comme ceci. C'est-à-dire vous pourrez louer une partie de votre lieu de travail. Bien sûr, hein, c'est pas si vous faites du domicile ou si vous recevez chez vous, mais si vous avez un petit lieu à vous, ça peut être une idée. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire le tour sur tout ça. Et maintenant, donc, on passe au cadeau surprise. Alors, je vous propose un petit exercice. Alors, on va s'installer confortablement, que ce soit sur une chaise, sur un canapé, sur un lit. Vous pouvez même rester debout si vous écoutez peut-être cette conférence dans les transports en commun. En tout cas, mettez-vous à l'aise. Je vous propose donc de fermer les yeux et de prendre une grande inspiration. Vous allez vous détendre un maximum. Je vais vous demander à présent d'imaginer votre vie de tous les jours. Vous vous voyez le matin, vous vous levez tranquillement et vaquez à vos occupations. Vous sentez déjà le stress monter en vous de cette journée. Vous ne vous sentez pas forcément très bien à l'idée de retourner dans ces tâches quotidiennes, dans cette routine qui ne vous convient plus. Vous voyez défiler cette journée avec peut-être vos collègues, votre patron, ce bureau. Vous réalisez une énième fois ces tâches ménagères. Donc, restez dans cette énergie. Vous sentez cette boule dans le ventre. Vous sentez que vous n'avez plus envie de cette vie. Vous en prenez conscience maintenant. Vous vous rendez compte que finalement, la vie passe beaucoup trop vite pour continuer à s'infliger. S'infliger tout ça jour après jour. Maintenant, je vous propose de basculer dans un deuxième tableau. Vous êtes au fond de la pièce, chez vous. Et vous voyez quelqu'un qui vous ressemble énormément. Aujourd'hui, nous sommes le même jour, mais un an plus tard. Et là, vous voyez, oui, car c'est bien vous, vous avez l'air beaucoup plus heureuse, beaucoup plus enjoué. Tiens, vous avez changé de coiffure, ça vous va bien. Vous avez changé également de tenue vestimentaire. Vous avez l'air beaucoup plus confiante en vous. Et vous êtes là, en train de rire, de vous amuser, de discuter joyeusement, tout en faisant les ongles. Vous voyez votre cliente en face de vous, qui a l'air vraiment très heureuse de votre travail. Vous sentez comme un sentiment de sérénité et en même temps vous êtes vraiment étonné de voir la personne que vous avez pu devenir en si peu de temps. Ça paraît même incroyable. Et là vous allez faire un pas en direction de ce vous du futur. Et plus vous avancez vers votre vous du futur,
Et plus cette boule au ventre va disparaître, elle descend de plus en plus jusqu'à vos pieds, jusqu'à disparaître. Et là, c'est une nouvelle sensation. Aussi dans le ventre, une sensation d'euphorie. Vous pouvez même ressentir des frissons, de la chaleur, des picotements dans le bout des doigts, au bout des pieds ou dans le haut du crâne. Vous sentez cette euphorie qui rentre en vous. Parce que vous imaginez maintenant que c'est possible. Que vous pouvez avoir une autre vie. Vous regardez autour de vous, tout en avançant. Vous voyez cette pièce magnifique que vous avez réalisée. Vraiment totalement à votre goût. Vous sentez l'odeur des huiles essentielles de la pièce. Vous avez sélectionné avec soin. Voyez cette déco qui vous correspond. Ces matières que vous pouvez toucher sont très agréables. Et vous venez près de l'épaule de votre vous futur. Posez la main sur son épaule et vous contemplez la scène de plus près. Et plus vous vous rapprochez, et plus ce sentiment de bonheur vous remplit. Ça commence par le ventre, et ça remonte, ça redescend en même temps, vers la tête, vers les pieds, vers les bras, les mains, jusqu'au bout des ongles. Et ce bonheur même va sortir de votre corps, va aller beaucoup plus loin. Votre conscience va remplir toute la pièce, puis toute votre maison, et va s'étendre encore plus loin, dans toute votre ville, et encore plus loin, et encore plus loin. Et là, vous sentez que vous faites partie de l'infini du monde. Et vous sentez qu'à ce moment-là, vous êtes connecté, et que tout peut se réaliser, tout peut arriver. C'est le jour où j'ai découvert ceci que pour moi ma vie a entièrement changé. Et c'est ce cadeau que j'ai envie de vous faire aujourd'hui. Vous avez maintenant la possibilité de prendre la place de ce vous du futur. Vous allez vous asseoir exactement à la place où ce vous du futur est assise sur cette chaise. Allez-y, asseyez-vous. Votre corps va prendre la place de ce corps. Et d'un coup, vous pouvez regarder vos cheveux. Cette nouvelle coupe de cheveux qui vous va vraiment très bien. Ce nouveau maquillage qui vous met vraiment en valeur. Peut-être même, avec ces quelques kilos en moins, vous vous sentez encore mieux dans votre corps. Vous avez la main de votre cliente en main. Vous levez les yeux, vous voyez son sourire. Vous sentez que vous êtes vraiment à votre place. Vous sentez qu'en fait, vous avez pris la bonne décision. Maintenant, j'aimerais que vous repensiez au passé. Au moment où vous avez pris cette décision de passer à l'action, de vous faire ce cadeau, de vous dire, ok, maintenant, je vis pour moi. Je suis mes envies. Je suis mon instinct. Et j'y vais. Je suis pleine de courage, de détermination. Je sais qu'on m'accompagnera. Je sais qu'on sera là pour moi, pour me soutenir, pour m'encourager. J'ai envie de changer. Et vous remercier. Merci. Je ne sais pas en quoi vous croyez, en Dieu, en l'univers, peu importe. Remercier. Ce qui vous a permis aujourd'hui, de changer d'état d'esprit, de changer votre vision, peut-être même de changer votre avenir. Merci. La gratitude vous mènera au succès. Merci. Répétez ce mot merci. Pas forcément à haute voix, mais répétez-le le plus souvent possible dans votre vie. Merci.
Prenez une grande inspiration. On va encore sauter dans un dernier tableau. C'est le tableau des vacances de vos rêves. Maintenant que vous avez la vie de vos rêves, il est tout à fait normal et légitime. Vous puissiez en profiter pleinement. Et qu'en plus de ça, vous puissiez en faire profiter votre famille. J'ai eu la chance de visiter les Maldives et les Seychelles. Ce sont des vacances magnifiques que je n'oublierai jamais. Nager dans des eaux bleues turquoises avec des poissons multicolores. Nager avec des tortues géantes. Faire du trekking au milieu de la jungle, sur des coulées de lave, tout seul. Aller voir la dernière personne de l'île qui vit tout seul. Et lui apporter un peu de nourriture, de l'eau, et qu'il vous remercie tellement chaleureusement. C'est des souvenirs merveilleux. Et je vous souhaite, vous aussi, de pouvoir glisser vos pieds dans le sable blanc, qu'il glisse entre vos doigts. Pouvoir vous allonger avec un cocktail délicieusement sucré. Ouvrir des noix de coco, ah, c'est un super souvenir, sur des rochers aux Seychelles. Et profiter de vos enfants ou de votre conjoint. Si vous êtes seul, imaginez l'homme de vos rêves à côté de vous. Rien n'est impossible, au contraire, tout est possible. Je vous laisse un instant sous les palmiers. Montez les quelques marches qui vous séparent du spa, mais vous allez vous faire masser. Ça vous détend, vous vous sentez tellement bien. Et encore une fois, merci. Merci pour tout ça. J'ai tellement de reconnaissance pour ma vie que j'ai envie de vous partager tout ça. J'ai envie que vous aussi, vous viviez la même vie. Une vie heureuse, une vie épanouie. Une vie pleine, une vraie vie, pas de la survie, de la vie. Vous y avez droit, peu importe ce que les gens peuvent penser. Peu importe, vous avez le droit de vivre comme vous l'entendez. Vous avez le droit de faire le métier que vous aimez. Travail n'est pas synonyme de contrainte, au contraire. Il peut nous permettre de nous sentir bien, et de mieux en mieux au quotidien. Voilà ce que j'ai envie pour vous. Voilà mon cadeau pour vous aujourd'hui. J'espère qu'il aura pu vous aider, vous inspirer. Et n'hésitez pas à revenir encore et encore sur cette conférence, à écouter encore et encore ce passage afin de vraiment l'ancrer en vous. Écoutez-le le soir, le matin, sont les meilleurs moments pour changer de vie et pour réellement intégrer tout ça. Voilà, je vais vous demander à votre rythme de bouger les doigts doucement, puis les orteils, les mains, les pieds, doucement, calmement. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez ouvrir les yeux et atterrir doucement pour la suite de cette conférence. Donc, nous avons vu dans cet atelier pourquoi devenir prothésiste ongulaire va changer votre vie, plus donc la rémunération, comment choisir la formation la plus adaptée pour vous. Comment remplir automatiquement votre agenda sans le faire vous-même? Comment augmenter vos tarifs là où les autres doivent les baisser et avoir en même temps plus de succès? Ma stratégie pour que votre formation vous coûte 0 euros ou très peu? Et comment aller encore plus loin et atteindre les étoiles? Et maintenant, que faire? Eh bien, c'est à vous de prendre la décision. Si effectivement ce métier, vous sentez que ça peut être quelque chose qui est fait pour vous, qu'il y a peut-être quelque chose qui a été réveillé en vous, quelque chose qui a été titillé, une envie, une... Voilà,
Si c'est le cas, eh bien, vous pourrez continuer avec moi dans la formation. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pourrez voilà, bah, peut-être mettre à profit ce temps qu'on a passé pour réfléchir un petit peu ensemble sur, sur qui vous êtes, sur ce que vous avez envie de faire. Peut-être continuer dans cette recherche, voir voilà, qu'est-ce qui vous nourrit réellement et qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie pour aller encore un peu plus loin. Donc maintenant, je vais vous montrer donc en détail les formations et la plateforme. Et comme ça, donc je vais vous montrer un peu le contenu des formations, comment ça se passe une fois que vous êtes inscrite, où est-ce que vous allez être basculée. Voilà, je vais vous montrer ça, bah, tout ça tout de suite. Voilà, donc comme promis, je vais vous montrer comment se passe la plateforme de formation. Alors là, on est vraiment de mon côté. Donc là, vous pouvez voir hein, toutes les formations que je propose avec le nail art, les formes artistiques. Je vais tout vous montrer. Donc là, on va aller dans la formation style singulaire niveau 1, donc plus base et perfectionnement, puisque c'est celle hein, qui va vous intéresser en général. Donc voilà, là, il y a tous les noms de mes élèves. Donc moi, je vous accompagne comme ça. Là, il y aura les évaluations. Encore une fois, c'est de mon côté, donc là j'ai une évaluation encore à corriger, mais vous voyez, voilà, j'ai 55 pages d'évaluation. Et donc, du coup, on va aller dans voir la formation en ligne. Là, ce sera ce que vous allez voir de votre côté. Donc ici, en fait, si vous avez plusieurs formations, vous pourrez basculer d'une formation à l'autre en choisissant donc la formation qui vous intéresse. Ici, il y a toutes vos informations. Vous pourrez donc tout vérifier et modifier éventuellement le mot de passe ici. Donc là, alors là, ça paraît pas beaucoup comme ça, mais je vais vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc on commence par un petit peu de développement personnel, c'est-à-dire les fondamentaux de la réussite, devenir une femme à succès, les 7 commandements de la réussite, évacuer la peur pour se remplir de confiance, garder confiance et force face aux difficultés. Pour moi, c'était important de vous amener un petit peu cette partie-là avant de commencer. Pourquoi? Tout simplement pour que vous soyez au top, pour vraiment réussir dans ces domaines. Donc on va juste aller voir par exemple une vidéo, comment ça se passe. Donc vous voyez là, elle fait 38 minutes, vous pouvez la mettre en route, l'arrêter, voilà. Et donc en dessous, vous pouvez ici marquer comme terminé, tac. Et comme ça, vous pouvez ensuite passer à la suite. Vous pourrez également donc passer ici à la suite, où vous pourrez venir ici en piocher à droite à gauche et y revenir plus tard. Donc ça, ce sera à vous de voir. On peut également noter les vidéos. Donc là, elle est notée 5 sur 5. Donc bah, toutes les vidéos qui sont bien notées, ben voilà, c'est tout bon. Donc de mon côté, bah, ça se passera toujours de cette manière. Et donc du coup, bah, là vous allez voir qu'au niveau de la théorie, on va voir beaucoup de choses. Anatomie, dermatologie. Et dans plusieurs, dans certaines parties, il y a même plusieurs encore sous-parties. Donc hygiène, sciences et compositions. Alors, je ne veux pas vous faire tout le programme, mais vous allez voir que c'est assez énorme. Ça, c'est très important pour moi. Attente et réalise des clientes, fiches conseils, recherche de modèles. Là, en fait, je vous donne carrément des modèles en main où vous allez pouvoir conseiller au mieux la cliente, où vous allez pouvoir prendre toutes les informations et déjà des modèles pour rechercher, je vous dis des modèles, mais c'est-à-dire des feuilles préfaites en fait que vous pouvez télécharger. Et du coup, bah, vous pouvez comme ça faire de la recherche de modèles très facilement. Là par exemple, j'avais donné la possibilité également de laisser un commentaire. Et donc du coup, voilà, alors là il n'y a qu'un commentaire, mais des fois sur les vidéos, il y a plusieurs commentaires et voilà, ça peut être intéressant aussi. Donc ensuite, avant de débuter, donc là voilà, le matériel nécessaire, donc là je vous présente tout le matériel qu'il faut, la mise en place du plan de travail, main d'entraînement, produits accessoires, et là vous allez voir, on commence, ça c'est les nouveaux cours, hein, donc ça c'est la mise à jour qui vient d'être faite, et vous voyez que c'est pas une petite mise à jour, hein, c'est vraiment énormément de choses. Donc on va commencer toujours par la base, et puis on va aller dans des choses de plus en plus complexes au fur et à mesure. Hein. Donc on voit aussi bien voilà, la pose d'acrygel sur chablon, pose gel sur chablon, la théorie sur la résine aussi. Donc la résine, je ne fais pas trop, mais c'est vrai que moi, je voulais l'intégrer à ce niveau-là aussi. Les mini-remplissages, remplissage classique. Voilà, on va vraiment tout voir, les erreurs également, manicure japonaise. C'est des choses que vous ne verrez pas forcément dans d'autres formations.
voilà, comment affiner un ongle, comment renforcer un ongle fragile. Et vous voyez que ça, c'est juste la mise à jour, hein. Là, maintenant, vous avez la formation base et perfectionnement. Et dans chaque partie, il y a également beaucoup d'informations. Donc, on commence par le vernis semi-permanent. Et vous allez voir que régulièrement, vous allez avoir des évaluations. Donc, comment ça se passe? Il suffit de cliquer dessus. Et donc là, il y a un petit explicatif de ce que vous devez faire. Et ça, c'est la pause à reproduire. Donc ça, c'est la première évaluation de pratique, puisqu'il y en a également une de théorie. Et donc, il faudra refaire au plus juste. Et moi, de mon côté, vous avez vu avant que j'avais une partie évaluation où je vais venir corriger vos poses, où je vais venir vous expliquer doigt par doigt. Donc je vais dire, voilà, par exemple, ici la parallèle devrait être encore un peu retravaillée. Au niveau de la cuticule, c'est plutôt bien dessiné, mais là, au niveau de la cuticule, c'est pas 100% net. Essaye de faire comme ça et je vous donne des conseils, en fait, personnalisés à ce moment-là. Là, je vous explique dans une vidéo comment poster vos évaluations. Donc c'est vraiment très très facile, hein. Donc vous avez la vidéo qui fait 10 minutes, hein. Donc c'est vraiment, je vous explique tout pas à pas comment faire. Donc j'essaye vraiment de vous mâcher le travail à tous les niveaux. Ensuite, la partie gel, bah, comme vous pouvez le voir, hein, il y a énormément de choses également, hein. Ouais, encore comme dit, hein, je vais pas tout vous expliquer parce que sinon ça va durer une heure. Mais vous voyez que dans chaque partie, on a à chaque fois beaucoup de choses et on a à chaque fois les évaluations avec. Donc voilà, l'évaluation 9, on peut la regarder éventuellement aussi. Voilà, ça ce sera une des poses que vous saurez réaliser à la fin de cette formation. Ensuite, on a tous les bonus et live, là aussi, donc il y a pas mal de choses. Il y a des défis, il y a des exercices optionnels que vous pouvez réaliser, c'est pour vous donner, voilà, encore un peu plus de matière. Et puis, il y a des petits bonus surprises, des extraits de mes autres formations. Vous voyez, il y a pas mal d'extraits là. Et donc, du coup, ça va vous permettre de voir si les autres formations pourraient vous convenir aussi. Ici, c'est l'examen final que vous passez de chez vous, hein, comme les autres examens, enfin, comme les autres évaluations. Et du coup, bah, quand c'est tout bon, je valide ou pas. Mais si je valide, voilà, je vous envoie le certificat ensuite. Et là, il y a l'accès au groupe privé Facebook. Donc, ouais, il suffit de cliquer dessus, de répondre aux 2-3 questions. Et ce sera tout bon. Voilà, et quand vous avez, si vous avez pris plusieurs formations, eh bien vous pourrez changer ici, basculer dans une autre formation. Donc par exemple la formation en entreprise, donc c'est la formation complète en création d'entreprise. Donc celle-ci actuellement je vous l'offre, hein, mais si vous n'êtes pas du coup assez rapide, peut-être que cette offre ne sera plus à jour, donc il faudra vraiment être très 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 rapide. Donc là, bon, bienvenue, hein, comme toujours je fais une petite introduction. Ensuite là on présente vraiment la micro-entreprise en détail. Donc les avantages, les 3 catégories, le taux de cotisation, vraiment toutes les choses qu'on n'a pas envie d'aller chercher par soi-même, voilà, j'ai tout regroupé ici. Donc choisir un nom aussi, ouvrir un compte professionnel, vos obligations. Ensuite le dirigeant, donc c'est les qualités du dirigeant, travailler l'image de marque de l'entreprise du dirigeant. Ensuite choisir son positionnement tarifaire, faire face à la concurrence, évaluer donc le chiffre d'affaires prévisionnel, ça c'est important aussi. Ça les banquiers aiment beaucoup quand on sait faire un prévisionnel. Donc voilà. Valider la rentabilité, besoin en termes de financement. Bon, c'est les choses qu'on n'aime pas trop faire, mais franchement, ça va vous aider, hein. Créer l'entreprise pas à pas, donc voilà, comment créer l'entreprise. Là, on a toute l'identité visuelle et le support marketing, donc colorimétrie marketing, créer son logo, créer sa carte de visite, créer ses flyers, non, carte de fidélité, pardon, et les flyers. Donc comment créer son site internet, donc là on a un pas à pas également, hein. Et la stratégie de communication, donc déterminer son message, identifier ses cibles de communication. Voilà, donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Il y a les réseaux sociaux, alors là voilà, on a fait pas mal de choses, hein. Donc comment créer une adresse mail, créer son compte Facebook, le compte pro bien sûr, hein. Et voilà, donc tout ça jusqu'à poster sur Instagram, réglage Instagram. Voilà, on a vraiment les réseaux sociaux en passant par YouTube, bien évidemment. Même comment créer sa chaîne YouTube. Donc voilà, tout ça on vous explique. Alors, je dis on parce que c'est moi et mon conjoint. La stratégie éditoriale, donc c'est comment avoir une stratégie de contenu et savoir réaliser un planning éditorial. Là, c'est tout ce qui concerne la publicité.
Là, donc publicité, donc c'est introduction, choisir le type de publicité, voilà, déterminer le budget, et là donc créer la publicité ciblée. Enfin voilà, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans cette formation également. Alors je peux vous montrer par exemple un cours. Ça c'est un cours que mon conjoint a fait qui dure 34 minutes, et vraiment cette formation, elle vaut largement 1000 euros, hein, voire même 2000 euros. Et comme dit, en ce moment on vous l'offre, donc ça vaut vraiment le coup, hein. Donc là, en fait, il va vous expliquer l'importance des Selon vous, couleurs. parmi ces deux personnes, Voilà. Donc, elles avaient la sensation voilà, il que, va à aller chercher l'opposé, des marques et en fait, il va vous expliquer pourquoi telle marque a choisi c'était telle pas plus mon couleur. C'est principal, vraiment je voulais. super intéressant. Franchement, même moi, Alors, je j'ai appris beaucoup de effectivement choses. Il ça. a énormément travaillé en fait sur ses cours. Et donc du coup vraiment ça va énormément vous aider, je pense. Donc on va aller basculer dans un autre cours. Alors je vous parlais un peu plus tôt, hein, et je pense que ça vous titille un peu de savoir la formation qui va vraiment vous faire gagner 5 à 10 ans. Alors j'ai créé la formation donc de niveau 1 qui est vraiment pour les particuliers, pour les débutantes, pardon. Mais du coup vous avez deux possibilités si vous voulez aller plus loin. Il y a la formation de niveau 2. Alors hop, je vais aller basculer dedans. Niveau 2, tac tac tac, je vais juste la chercher. Voilà, styliste ongulaire niveau 2. Donc là en fait sur le niveau 2, vous avez toutes les poses, toutes les nouvelles techniques, on va dire. Donc, bon, comme d'habitude, il y a de la théorie un petit peu. Et ensuite, donc, là, on va vraiment être sur des poses rapides. On va travailler, donc, bien sûr, le limage également. On va travailler les poses américaines. On va travailler les poses porcelaines. D'ailleurs, je vais encore rajouter des cours dans cette partie-là. L'apex, C-curve, reverse, on va bien travailler également ça. On va travailler tout ce qui est pop-it, donc qu'on appelle également dual système. Donc voilà, remplissage des poses. On va travailler également les press on nail. On va voir comment vendre plus facilement ses prestations, donc comment faire des belles photos, tout ça. Bon, ça on le voit également dans la formation de styliste ongulaire niveau 1. Et donc les problèmes fréquents et puis des extraits. Donc voilà, c'est déjà très 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 sympa cette formation-là si vous voulez apprendre toutes les nouvelles techniques. Et si vous voulez vous spécialiser, vous pouvez très bien basculer directement dans la formation styliste ongulaire niveau 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, styliste ongulaire niveau 3, ça va être la spécialisation vraiment en pop-it. C'est-à-dire, on va ne faire que du pop-it. Mais c'est-à-dire qu'on a vraiment des techniques très particulières, très pointues. Moi, je me suis moi-même formée avec une technicienne russe qui ne fait que ça. Alors, il faut savoir que les Russes ont bien 5 à 10 ans d'avance sur nous, surtout. Même si maintenant les choses viennent de plus en plus vite, mais il faut savoir que les Russes ont une avance de dingue sur nous. Elles créent elles-mêmes ses propres pop-it. Alors, c'est dingue, hein. Elle les fait mouler. Elle les fait produire elle-même. Elle a des produits qui ne se trouvent absolument pas en Europe. Et moi, du coup, je me suis fait former par elle et j'ai eu l'autorisation de former sur le marché francophone, puisqu'elle ne parle que russe. Donc, c'était pas facile, hein, de suivre la formation quand même. Mais du coup, je suis la seule à avoir le droit de former à ces techniques sur le marché francophone. Donc, vraiment, vous ne trouverez cette formation nulle part ailleurs. Et c'est là où je vous dis, vous aurez 5 à 10 ans d'avance, et encore ça peut être 15 ans d'avance sur les autres. Donc vraiment, on va aller voir des techniques dans cette formation-là que vous ne verrez nulle part ailleurs, vraiment. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de vidéos également. Donc bon, c'est vraiment la formation styliste ongulaire niveau 1 où il y a vraiment le plus de cours, mais là on est sur, je crois, pas loin de 75 cours, quelque chose comme ça, ce qui est déjà énorme. Donc vraiment dans cette formation-là, on va aller faire des pauses, bah, comme vous voyez un petit peu en fond, mais vraiment avec une rapidité assez incroyable. Donc en fait, moi ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes débutante, si vous avez envie justement d'apprendre les nouvelles techniques, d'être un peu en avance sur les autres, bah, l'idéal c'est de prendre un pack avec soit le niveau 2, soit le niveau 3 en plus, tout simplement parce que comme ça vous allez pouvoir, mais complètement être
au-dessus des autres techniciennes qui travaillent près de chez vous, des autres prothésistes ongulaires. Et là, en fait, vous allez vraiment pouvoir tout déchirer, ouais, tout simplement. Donc, je peux vous montrer peut-être une vidéo. Voilà, vous voyez que par exemple, je fais une fraise. Alors, les couleurs sont pas belles, hein, mais c'était juste pour expliquer. Vous voyez que les cours sont assez longs. Donc, je vous montre à la base comment créer vos propres acrygèles. Je vous montre à chaque fois en théorie également. Je vous montre comment dessiner dessus. Ouais, je vous montre comment réaliser à chaque étape. Alors, je ne vais pas vous la mettre en entier, hein, parce que sinon, bien sûr, tout prendrait beaucoup trop de temps. Mais voilà, donc le résultat qu'on peut avoir, il y en a d'autres également. Prendre un petit baby boomer. Voilà, là, je vous montre donc comment réaliser un baby boomer donc en acrygel. Et voilà. Donc voilà, vous allez voir dans cette formation, il y a plein de techniques différentes. On pourrait se dire le pop-it, on met un peu de gel dedans, on l'applique sur l'ongle, c'est fini. Non, en fait, vous pouvez vraiment créer des choses hyper artistiques et du coup, vous allez voir que c'est assez incroyable. Je pourrais même vous montrer à la fin de cet atelier, je vais vous mettre une petite série de photos de ce qu'on peut faire avec des pop-it et vous allez voir à quel point c'est vraiment artistique. Voilà, donc on va sortir d'ici et on va continuer notre petit atelier. Voilà, maintenant qu'on a vu ensemble comment ça se passe sur la plateforme de formation, vous pouvez réserver avec moi un appel personnalisé. Alors que ce soit avec moi ou Jennifer, ce sera l'une de nous deux qui vous appellera. Alors pourquoi cet appel personnalisé? Parce que je pense que vous avez sans doute encore des questions à me poser. Alors je vais faire une petite session de questions-réponses après, mais peut-être que vous avez des questions spécifiques à poser et dans ce cas-là, vous pouvez le faire à travers cet appel ou simplement me demander aussi, Nathalie, j'ai pas trop compris comment on s'inscrit. Et là, je vais tout vous réexpliquer également. Voilà, mais si vraiment vous trouvez, normalement sur mon site, c'est très très bien expliqué hein, comment s'inscrire. Je vais juste vous le rappeler en 2 secondes. Il suffit d'aller dans la partie formation pro, donc déjà sur le site hein, yornels-international.com. Vous allez dans la partie formation pro, styliste ongulaire niveau 1. Vous descendez sur cette page, vous avez un gros bouton accéder au tarif. Vous cliquez dessus et là vous choisissez, vous sélectionnez la formation ou le pack de formation qui vous intéresse. Et à ce moment-là, vous descendez, vous rentrez nom, prénom, adresse, vous choisissez le mode de règlement, le nombre de règlements, vous cliquez sur valider et d'un coup, magie, vous accédez à la formation dans les 5 minutes par mail. Pour le CPF, vous allez dans la partie financement CPF. Et là, vous aurez eh bien, tout qui est détaillé. Mais on peut également vous renvoyer, que ce soit moi ou mon assistante, le descriptif complet de comment s'inscrire via le CPF. Donc là, vous aurez vraiment toutes les informations qui vous sont fournies pour le faire sereinement. Voilà, mais si vous sentez que vous avez encore besoin d'un appel, eh bien, vous pouvez le réserver dans mon agenda, comme ce que je vous explique également sur mon site, hein, dans la partie contact. Et donc, du coup, vous pourrez, eh bien, voilà, on pourra discuter ensemble de votre projet particulier et je répondrai à vos questions. Alors, on passe aux questions-réponses. Donc, la première question qu'on me pose le plus souvent, ça va être, eh bien, quelle est la formation la plus adaptée pour moi? Donc là, j'en ai déjà parlé beaucoup dans la formation. On pourra voir ensemble si jamais vous vous posez encore la question vraiment par rapport à des points particuliers. Ça va être également comment s'inscrire, je viens de vous l'expliquer. Comment s'inscrire via le CPF? Eh bien là, je vous l'explique également. Comme je vous l'ai expliqué donc juste avant, hein, je vous enverrai tout le descriptif de comment s'inscrire via le CPF. On me pose aussi souvent la question, est-ce que je ne suis pas trop jeune? Est-ce que je ne suis pas trop âgée? Il n'y a pas d'âge idéal pour vivre la vie de ses rêves. Donc non, il n'y a pas. On n'est pas trop jeune ou pas trop âgé. Alors, trop jeune, si on a en dessous de 16 ans, de 16 à 18 ans, il faut demander l'accord aux parents. Donc moi, j'ai une décharge. Voilà, des parents. Et sinon, bah, ça pose aucun souci. On peut très bien suivre la formation
pendant qu'on travaille. Quelle est la durée de la formation? En principe, c'est 6 mois, mais s'il vous faut un peu plus de temps, moi, je préfère vous accompagner au mieux. Comment est-ce qu'on est accompagné dans la formation? Eh bien, à travers des évaluations que je vais corriger régulièrement par audio, comme je vous l'ai expliqué au départ. Qu'est-ce qu'on me pose d'autre comme question souvent? Ben pour le kit, pour le matériel. Donc le matériel n'est pas inclus dans la formation puisqu'il y a des élèves qui ont du matériel, donc je ne voulais pas leur imposer du matériel supplémentaire. Par contre, si vous avez besoin de matériel, je vous offre 20% actuellement sur le kit de formation. Et donc du coup, ben vous aurez le lien enfin le code de réduction sur le kit une fois que vous aurez intégré la formation. Et vous avez également la possibilité de prendre ben, juste certains éléments sur mon site, et en tant qu'élève vous avez 10% de réduction plus souvent l'envoi offert au bout d'un certain montant et le règlement en 3 fois sans frais. Là j'ai vraiment fait le maximum de ce que je pouvais pour vous aider de ce côté-là. Donc mes produits sont hypoallergéniques, vegan, non testés sur les animaux, parce que pour moi c'était important et parce que maintenant c'est la norme pour les produits européens. Donc moi tous les produits bien sûr sont européens. Et voilà, je voulais vraiment la meilleure qualité de produit. Donc vous pouvez même travailler sur des personnes qui ont des petits soucis en temps normal puisqu'ils sont hypoallergéniques. Testez quand même, hein. Voilà, faites peut-être juste un angle pour tester, puisqu'on peut être allergique à tout et n'importe quoi. Donc voilà, faut vérifier de ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, ils sont vraiment hypoallergéniques, ils sont vraiment top, ils tiennent super bien, ils se travaillent bien. Et ça, c'est important lorsque vous commencez d'avoir des produits qui se travaillent bien. Et la différence entre un produit bas de gamme et un produit haut de gamme comme le mien, ça va être sur la pose une différence de peut-être 2 euros. Il vaut mieux dépenser 2 euros, mais de faire la pose 5 euros plus cher et qu'elle tienne et que la cliente nous recommande, que de baisser son tarif de 2 euros et de prendre des mauvais produits. Vraiment, hein, ne faites pas de la médiocrité. Si vous voulez faire du haut de gamme, prenez et investissez dans des bons produits. Je peux vous garantir que ce sera le meilleur investissement de votre vie. Voilà, qu'est-ce qu'on me pose d'autre comme question? Après, souvent, c'est des questions plus spécifiques. Est-ce que les hommes peuvent faire cette formation? Oui, tout à fait, j'ai déjà formé des hommes également. Et ils sont vraiment les bienvenus dans la formation. D'ailleurs, en général, c'est les mascottes. Est-ce que si on a besoin de moi encore après la formation, je serai toujours là? Oui, je suis toujours là pour mes élèves si on a besoin de moi. Est-ce que je suis joignable? Oui, mais c'est vrai que je préfère voilà, répondre dans les évaluations parce que voilà, je dois aussi m'organiser, j'ai aussi des choses à faire. Mais bien sûr, si vous avez besoin de moi, je suis là. Et il y a le groupe privé hyper bienveillant qui est là pour ça, également pour poser les questions. Moi, je suis là vraiment. Par exemple, lorsque vous êtes sur une pause, que vous avez un doute sur une cliente, est-ce que je peux travailler ou pas sur elle? Est-ce qu'elle a une maladie ou juste une déformation? À ce moment-là, eh bien, je pourrais vous indiquer si oui ou non. Donc voilà, j'ai un nom cassé très très court, comment je fais? Alain, Nathalie, voilà, je suis là pour vous aider de ce côté-là. Donc voilà, je pense que j'ai répondu quand même à pas mal de questions. Je voulais pas que cette conférence dure trop longtemps, donc j'ai réussi plus ou moins mon pari. Donc si vous avez envie d'aller voilà plus loin, si vous avez envie, si vous sentez en fait que je suis la bonne personne pour vous, si vous avez envie d'être accompagné par une personne bienveillante, eh bien moi je serais très heureuse de vous accompagner. Mais encore une fois, j'ai deux critères de choix pour mes élèves. La bienveillance, vraiment être gentil, c'est con à dire, mais vraiment, il faut pas être méchante les unes envers les autres, ça ne sert à rien, ça n'avance à rien d'écraser les autres pour se sentir meilleur. Ça doit être une compétition saine. Et donc la deuxième, c'est être motivé. Je ne veux pas des personnes qui se disent, oh, j'ai envie de changer, mais je sais pas quoi faire, oh, on va tester ça. Non, je veux vraiment que vous soyez motivé à aller au bout de la formation. Parce qu'un échec d'une élève, c'est un échec personnel. Voilà, bon, je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette conférence. Bah, vous retrouvez les informations juste en dessous de cette vidéo si vous souhaitez donc aller plus loin, et sinon sur le site www.yornales-international.com, dans la partie contact, vous pouvez m'appeler, dans la partie formation pro, vous pouvez vous inscrire personnellement, et dans la partie financement CPF, eh bien, vous pourrez vous inscrire par ce biais. Et je tiens à préciser que je suis en train de déposer des certifications pour
Donc, pour que ce soit reconnu comme un diplôme d'État, ce métier, dans la prothésie angulaire et dans l'extension de cils. C'est-à-dire que bientôt, il n'y aura plus besoin de passer par le CAP. Donc, si maintenant, actuellement, vous n'avez pas envie de passer par le CAP, que vous voulez faire un financement personnel et que vous voulez garder vos points CPF, parce que non, vous ne les perdez pas, même si vous arrêtez de travailler, vous les gardez. C'est des fausses rumeurs, tout ça, des centres de formation peu scrupuleux qui veulent vous pomper les CPF. Moi, c'est pas le cas du tout. Moi, je fais des démarches très très lourdes, hein, pour pouvoir certifier ces formations, pour qu'elles soient reconnues comme un diplôme d'État. Et donc du coup à ce moment-là, quand ce sera fait, vous n'aurez pas besoin de passer par le CAP. Et donc du coup, vous pourrez prendre des formations complémentaires à ce moment-là. Souvent, c'est l'astuce que je donne pour les élèves qui hésitent un petit peu. Dans ce cas-là, si vous hésitez entre les deux, que vous avez un petit montant CPF, préférez le laisser de côté. Enfin oui, voilà, préférez le laisser de côté. Ça n'a pas l'air français ce que je dis ici. Voilà. Laissez-le de côté, tout simplement. Et financer personnellement, comme je vous l'ai indiqué, avec donc les clientes. Et du coup, prenez votre CPF plus tard, une fois que mes certifications seront déposées. Il y a très, très, très peu de centres de formation qui ont fait cette démarche. Parce que Calliope, c'est un audit horriblement long. J'ai travaillé, je crois, pendant 6 mois dessus. Ça a été 8 heures d'audit de suite. Je n'en pouvais plus, c'était atroce. De questions, de pièges, de choses comme ça, je l'ai réussi du premier coup. J'ai fait Calliope, Datadoc, donc j'ai vraiment le plus haut niveau de voilà, qu'on peut avoir dans ce domaine-là, des certifications, et maintenant donc en dernier, certification répertoire spécifique. Donc voilà, pour que ce soit reconnu enfin ce métier. Et donc du coup, ça, je pense que ça montre mon implication dans ce métier, que j'aime ce métier, que je veux aller encore plus loin et que je fais toutes ces démarches pour vous simplifier la vie également et que vous puissiez profiter de votre CPF sereinement. Voilà, je vous dis un grand merci encore une fois d'avoir assisté à cette conférence et je vous dis à très bientôt. Bye. Voilà, alors avant de vous quitter, j'avais juste envie de vous montrer donc une pose que j'ai réalisée sur moi avec le Magic Gel. Donc c'est un gel vraiment que j'adore, que je trouve super. Et en fait, qui se travaille vraiment tellement bien, tout en finesse. Il s'applique tout seul, il est vraiment top. Donc voilà, là je vous montre juste une pose sur moi et vous saurez réaliser à la fin de cette formation styliste angulaire niveau 1 ce type de pose. Alors là, elle est tout en simplicité, mais vous pourrez travailler vraiment, vous pourrez réaliser des choses bien plus poussées. Là, vous voyez un extrait de la formation styliste angulaire niveau 3, donc c'est une pose qui a été réalisée en pop-it. Donc là, vous voyez toutes les nuances en fait de la French avec donc les petites feuilles d'or également. Je vais vous apprendre comment réaliser un acrygel personnalisé vous-même avec vos propres couleurs. Je vous montrerai comment faire des French en 3D, plein de techniques différentes qui vont vraiment vous permettre d'être totalement hors concurrence, puisque vos concurrentes ne sauront pas faire ce genre de pose. Et surtout, vous imaginez bien que vous pourrez augmenter vos tarifs et faire réellement du haut de gamme. Donc voilà, je vais vous montrer quelques photos de choses que vous pourrez réaliser, des petites vidéos également. Donc là, on est sur vraiment une offre super limitée. Encore une fois, je vous rappelle, formation styliste angulaire niveau 1 plus formation styliste angulaire niveau 2 ou 3. La formation de création d'entreprise qui est normalement à 997 € que je vous offre aujourd'hui. La mise à jour également de la formation styliste angulaire niveau 1, comme vous l'avez vu, elle est très très complète, qui était normalement à 997 € que je vous offre également. Donc pour tout ce pack, on est à 166 € par mois sur 18 mois. Ou si vous souhaitez que faire la formation styliste angulaire niveau 1 avec la création d'entreprise et la mise à jour, on est également à 166 € par mois, mais sur 12 mois. Et comme vous l'avez compris, comme je vous l'ai déjà expliqué, ce seront les premiers modèles qui payeront votre formation. Et en plus de ça, vous allez déjà commencer à avoir un réel revenu grâce aux pauses que vous allez faire durant la formation. Donc là, comme vous le voyez sur la droite, ce sont des vidéos, des extraits donc de ces techniques en pop-it. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de techniques différentes, de techniques qu'on va pouvoir mettre en œuvre qui vont être différentes les unes des autres et qui vont pouvoir vraiment s'adapter à tout le monde. Donc, et comme je suis tellement
convaincue finalement que mes formations vont pouvoir changer votre vie et qu'elles vont vous plaire, eh bien je vous offre en plus 30 jours de formation, de garantie sur ces formations, c'est-à-dire que si vous vous inscrivez aujourd'hui, eh bien durant 30 jours, vous pourrez avancer dans les formations, vous pourrez voir le contenu. Et si ça ne vous convient pas, vous pourrez simplement m'envoyer un petit message pour me dire « Nathalie, je souhaite être remboursée, ça ne me convient pas. » Et nos chemins s'arrêteront là, je vous rembourserai entièrement. Bien évidemment, il ne faut pas avoir fait des évaluations avant ça. C'est uniquement donc en visionnant le contenu. Donc voilà, là vous pourrez voir qu'on peut réaliser toutes sortes de poses vraiment originales grâce à cette technique de pop-it qui est pour moi vraiment la révolution de ces dernières années et qui va être la révolution surtout des prochaines années. Et bien souvent en ce moment, voilà, les techniciennes russes commencent un petit peu avec cette technique, mais elles restent sur des choses très très simples. Là, on est vraiment sur des techniques très poussées dans cette formation. Donc, si vous voulez être vraiment au top du top et être en avance sur tout le monde, eh bien, c'est le moment grâce à cette offre assez unique qui se représentera peut-être plus. Donc voilà, je vous dis encore un grand merci d'avoir assisté à cette conférence aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et puis, je vous dis à très bientôt.